Bienvenue sur cette vidéo unboxing de la souris Logitech MX2S, si je ne me suis pas planté. De toute façon, vous avez le titre de la vidéo. Donc, c'est vraiment une souris que j'attendais beaucoup, qui est en remplacement de la MX Master que j'ai déjà et qui est complètement usée. Je n'ai malheureusement pas ici pour pouvoir montrer tous les défauts qu'il y a sur le long terme, parce qu'il y en a quelques-uns. Notamment la gomme qui s'érafle à force de la gripper quand on fait du FPS ou du gaming très intense, et notamment en fait la partie. Ah, attendez, je peux vous le montrer un peu sur celle-là. Notamment en fait, sur l'ancienne souris, on avait une partie métallique. Ici, elle longe tout le long. Et sur l'ancienne souris, l'ancien modèle, il passait en dessous du pouce, sous cette zone. Et à cet endroit, forcément, le métal sur le long terme, il s'use et tout simplement il rouille. Et du coup, je me retrouve avec une partie qui a complètement disparu ici, avec du métal qui est devenu vert. Alors, je ne sais plus si c'est le cuivre ou le fer qui a rouillé. Donc, du coup, celle-ci est le modèle plus récent que j'attendais avec impatience parce qu'il y a beaucoup de nouveautés qui m'intéressent. Et un très gros défaut pour moi, pour les grandes nouveautés que j'attends avec impatience, c'est surtout l'intégration du Bluetooth. Ça, c'est un truc que je voulais depuis un petit moment. Ça m'évite de me trimballer avec ça, ce dongle. Ce qui est très chiant quand on y pense. Le Bluetooth va enfin servir à quelque chose sur mon ordi portable. Et en très gros point négatif, c'est qu'il n'y a plus de piles. C'est une batterie. Alors pourquoi un point négatif? Tout simplement parce que les piles, vous pouvez les recharger à chaque fois qu'elles sont vides. Donc théoriquement, c'est une vie infinie. Contrairement à une batterie qui est fixée avec votre produit, et le jour où cette batterie va mourir, ce qui est inévitable, votre souris sans fil sera filière. Vous serez obligé d'utiliser avec un fil. C'est un très très point, enfin un gros point négatif pour moi, étant donné que j'ai déjà un casque avec batterie, mais comme la batterie est morte, je suis obligé de l'utiliser tout le temps avec fil. Ce qui me fait perdre tout l'intérêt du produit. Donc ensuite, j'ai pas besoin de faire tout le listing des options qu'il y a dessus. Bref, elle reprend en fait tout ce qui se fait de mieux sur l'ancien modèle et elle améliore 2-3 trucs. La forme. Ici, je ne vais pas le déballer complètement, mais vous voyez que c'est identique. On a une petite molette. Alors, je vais essayer de voir si je peux l'ouvrir sans tout casser. On a en fait la forme qui est quasiment identique. Deux, trois boutons qui ont été améliorés parce que sur l'ancien modèle, j'utilisais juste bouton clic droit ou clic gauche, la molette, le bouton qui permettait de relâcher la molette. Alors, par contre. On va devoir faire ça à l'arrache. Voilà. Ça, c'est une petite astuce. Si jamais vous n'avez pas de couteau sous la main, vous n'avez que des clés et qu'il y a juste du plastique très fin à ouvrir. Hop. Voilà. Donc, il n'y a rien dedans, rien de particulier. La souris se trouve ici. Donc, le câble micro USB sont toujours pas passés au USB type C. Bon, la notice, on s'en fout. Le plus important, c'est la souris. Donc, le dessous a été modifié. On a un truc un peu plus type paquebot. Voilà, mais la forme reste vraiment identique. Je trouve que le toucher aussi est légèrement différent, un peu moins gomme, un peu plus plastique très léger. Donc, on retrouve ici un bouton. Qui, je pense va se casser sur le long terme parce que c'est un des boutons qui reste enfoncé sur l'ancien modèle. Ici, on a une molette sur le côté, deux boutons qui, à mon avis, ne vont pas me servir à grand chose. On a ici, alors, on n'a pas le. On avait un bouton ici à cet emplacement sur l'ancien modèle qui permettait de relâcher l'écran. Donc en fait, c'était une molette qu'on pouvait balancer et puis elle tournait parce qu'elle n'avait pas de cran d'arrêt. C'était plutôt sympathique. Ce que j'utilisais de temps en temps quand on a des pages qui sont en scrolling horizontal et qui ne finissent jamais. Donc ça permettait d'aller très rapidement en bas ou sur des gros documents. Voilà. Alors, je la trouve vachement légère, beaucoup plus que la précédente. Et par contre, j'ai vraiment cet aspect un peu typos dégueulasse qui se ressent un peu. Donc j'espère que ce sera juste une impression que ça restera pas sur le long terme. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On peut utiliser trois appareils qu'on peut connecter.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut utiliser soit Bluetooth, soit le petit dongle Logitech Unifying qui permet en fait de connecter sur plusieurs appareils Logitech. Donc, si vous avez un clavier Logitech, une souris et j'en passe, vous pouvez tout connecter dessus. Et voilà. Donc, je crois avoir fait le tour de la souris. Si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas le scrolling libre. Ça, c'est vraiment une option que j'aimais beaucoup. J'espère que l'aspect qui pose, c'est juste qu'une impression et que sur le long terme, ça ne va pas être un handicap. Et je verrai aussi sur long terme si je vais utiliser en fait mon pouce. Est-ce que le pouce vaut vraiment le coup avec tous les boutons qu'il y a ici? Si vous n'êtes pas un créatif, à mon avis, si vous n'utilisez pas intensivement Photoshop, Illustrator ou toutes sortes d'applications de graphisme, je pense que ce genre d'option, c'est vraiment très facultatif. Voilà. Mais bon, étant donné que j'aime bien les outils de qualité, c'est vraiment une souris qui m'intéressait de très loin et maintenant de très près pour le coup. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à vous abonner si vous avez envie et poser toutes sortes de questions dans les commentaires. À plus.